Allez, c'est parti. Je vais te montrer l'entrée du vide sanitaire. C'est magnifique. Bon, déjà, on commence par là. Là, ça va, hein, on est d'accord. Là, ça commence un peu à se compliquer parce que petite porte de souris. Et ensuite, on rentre et on tombe sur un mur de terre. C'est génial, non? Là, c'est formidable. Salut. Et voilà. On rentre tranquillement. Hop. Et là, il y a de l'espace, là. Là, on est pas mal. Sauf que, si je bossais par là, ça va. Mais le problème, c'est que je bosse là. Et là, c'est autre chose. On va mettre un petit peu de lumière par là-bas. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est l'évacuation en sang que tu vois ici. Et là, je sais pas si tu vas le voir, il y a un tube qui descend ici. Et au fond, j'en ai un autre ici. Et par là, là, je vais avoir la douche. Donc, l'idée, ça va être de prendre l'évacuation en sang qui est là. Rallonger jusque là-bas. Reprendre sur le sang existant ici et mettre des antennes pour le lavabo qui est là et pour la douche qui est là-bas. Voilà. Voilà le boulot qu'on a à faire ici. Pas un truc galère non plus. Bah, c'est pas simple, on va pas se mentir. On a quoi? On a 50 cm. Et on a fait pire, on a fait pire. Donc on va se faire ça tranquillement. Je vais aller me chercher tout mon matos, tout positionner là. Au fond, on va mettre des colliers, etc., etc. Voilà. Allez, c'est parti. Je galère déjà pour rentrer le PVC alors. Hein. J'ai dû couper le sang en deux. Et pour le faire passer, il faut forcer un peu. Putain. En deux, c'est un peu plus souple. Maintenant, il faut que je monte. Ça, c'est une autre histoire. Si on pleure un bon coup, c'est mieux, non? J'allais peut-être prendre l'échelle, tiens. On va se rapprocher des outils dans un premier temps. Hop. On va commencer que je suis déjà mort. Je vais commencer par couper le sang qui est... juste ici. Comme ça, ici, je vais pouvoir intercaler un Y. C'est ça. Donc ça, on va l'intercaler ici. Là-bas, j'y mettrai un T. On reprend le 32 qui est là. On reprend aussi le 40 qui doit être derrière là-bas. Et on sera pas mal. Alors. Je vais avoir un petit manchon de dilatation, de réparation. T'appelles ça comme tu veux. Qui va me permettre de rattraper le dévêtissement. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper là et là. Comme ça, je pourrais rentrer ça à fond de ce côté, coller et le reculer en jouant ici avec l'emboîture. C'est pas évident de travailler allongé. Hein.
va se mettre un petit colis juste ici là, histoire de hop. Oulala. Voilà, ça va le faire. Là, il faut que j'y mette un mâle femelle. Donc ici. Et ouais, ça va le faire. Là, j'ai tracé mon axe. Donc il n'y a plus qu'à reporter ça directement ici sur le PVC. Donc là, il faut que je fasse super gaffe puisque le morceau qui descend, il est directement pris sur le PVC suspendu juste avec le petit crochet en plastique. Donc il faut que je fasse super gaffe que ça vienne pas à se décrocher, sinon je suis dans la merde. Si ça se déboîte, je suis dans la merde. Voilà. On est pas mal là. On va coller ce morceau. Tac. Dans le bon sens. Voilà. Alors là, il va falloir que je colle des deux côtés en même temps. Hop. Bon, là, on n'est pas trop mal. Le sein, là, il est fait. Collier mis ici. Un petit T, là. Là-bas, un petit collier. Le coude à 45. Le Y est au fond, là-bas. Et puis voilà, hein. Deux petits tubes qui remontent, c'est une ventile. Et puis, on est pas mal ici. Deux petits coudes à 45. Comme ça, ça s'écoule nickel. Pour ceux qui me vont demander, je mets pas de T ou de Y avec un petit bouchon pour pouvoir déboucher. La simple bonne raison, c'est que le chiotte, il est juste là au-dessus. On envoie un coup de furet, boum boum, on le débouche très très facilement. Même chose pour le 32 qu'on va avoir là. Bah, il est 40. De toute façon, le 40, il est juste ici pour la douche. La douche, elle va être juste là. Donc, on va avoir 30 cm de tube. Donc, si jamais au niveau de la bande de douche, ça se bouche, on envoie par en haut. Et pour le lavabo, pareil, si jamais ça se bouche, on envoie par le siphon. Donc au niveau du lavabo, je mettrai un Y et je mettrai un bouchon là-haut. Je préfère mettre un bouchon là-haut qu'un bouchon ici. Pour la simple et bonne raison, c'est que le mec qui va venir pour déboucher, il va déboucher de là-haut. Il viendra pas dans le vide sanitaire pour déboucher. Faire des tampons de visite là-haut, accessibles, que là dans le VS quoi. Allez, je vais me faire la petite évacuation en 32. Et puis celle en 40, on la fera la prochaine fois. Puisque là-haut, le carreleur est en train de faire le carrelage. Et le bac à douche, il est bâché. Donc je peux pas mettre la bombe. Tu vois, ça c'est le bac à douche. J'avais déjà fait la réservation la dernière fois lors de la pause. Là, comme tu peux le voir, il y a une bâche. Je vais pas tout le couper la bâche. Je mettrai la bombe la prochaine fois. On va prendre une petite Riduc 40-32. Comme d'habitude, on va poncer, décaper. Voilà.
lui, il va venir comme ça. Ici, deux coudes à 45. Même niveau pour la pente. Ah ouais. Et on va le couper. Ça, c'est fait. On fait la même. On va couper ça. Comme il faut que je revienne dans le vide sanitaire, je remettrai un collier, même si le bout, tu vois, j'ai un petit bout de même pas, j'ai un petit bout d'un mètre. Donc je vais y mettre un petit collier pour le polystyrène, parce que là, il n'y a pas de poids, il n'y a rien. Mais comme je ne l'ai pas, aujourd'hui, je vais le coller, et puis je mettrai la prochaine fois. Et voilà, impeccable. Il n'y a plus qu'à faire le 40 la prochaine fois là-bas, mettre le collier ici, et on est bon.